parce que je suis tellement poche pour dire le temps, mais il y a quelques mois, j'ai vraiment pas un bon sens du temps. Là. Dans le fond, j'ai rencontré l'équipe de Les Oitiers lors du concours Something Sweet. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Oui. Oui, c'est moi, ils étaient assidus. Donc, c'est ça, le concours Something Sweet, et ils cherchaient un. Je sais pas si je voulais comme juste un blush ou juste un bronzer, ou tu sais. Fait que je me suis dit pourquoi pas offrir un duo. Ça, c'était un produit qui était inexistant chez Les Oitiers. Merci. Pardon. fait que là, je vais vous le dire tout de suite, ce produit-là a été très très populaire. Fait que ça se peut qu'au moment où est-ce que vous arriviez pour vous en acheter ce soir, il n'y en ait plus. Je suis très désolée, mais je ne veux pas que vous partiez d'ici déçus, donc je vous propose des alternatives, des craintes là. Donc pour la partie blush, moi vous savez, c'est souvent des blushs comme ça que j'utilise. C'est des blushs qui sont plus bruns, plus mauve un peu, ça fait un effet plus bronzé. Je trouve que ça fait plus santé. Donc c'est ça. Je vous dis, j'ai acheté le quatuor d'Alex. Vous voyez que c'est rose gold avec des chevrons. L'emballage est très belle. J'aime vraiment ça. Donc ça dit que c'est une nouvelle génération de fards à paupières. Donc c'est ça. Il y avait le petit dépliant comme ça, la collection Alex, qui est comme ça, qui explique faire le look. Excusez, j'ai la misère à parler, je suis vraiment très congestionnée. Faut que c'est ça, le look naturel et le look sophistiqué. Moi j'ai fait le naturel, ils disent de prendre le Metamorphix, mais moi je l'ai fait sans Metamorphix, puis c'était vraiment beau. Donc voici les petites palettes. C'est un beau, sont vraiment belles les couleurs. Je vous fais un petit swatch. Regardez, la pigmentation est quand même assez belle là. Je suis surprise même. Ça c'est le rose, c'est celui-là. Et ça j'ai le blanc. Je sais pas, le blanc ici. J'ai le prune. Les couleurs sont vraiment douces là. Puis vraiment, la texture là, est vraiment comme une crème. Et le prune, le rose prune. Donc, c'est ça, je vous finis. Je vous ai montré le 4 soir. J'aurais vraiment très beau. Et même Alex, elle disait que, comme le fard à joues part très vite, le blush, de mélanger le blanc ici et le rose en alternance, pas trop foncé, parce qu'on s'entend que c'est très pigmenté, ça faisait la même couleur. Fait qu'ils se sont aperçus de ça. Donc, j'aurais voulu même. Donc, je vous laisse là-dessus. Bye!